Donc c'est une initiative donc, de 6 communes, à savoir la ville de Bruxelles, Anderlecht-Molenbeek, Kokkelberg, Evere et Saint-Gilles, qui ont décidé de chercher un lieu pour répondre à la crise humanitaire qui a lieu au Maroc. Et donc les 6 bourgmestres m'ont demandé de coordonner ce projet. Donc on a trouvé via les contacts privés du bourgmestre d'Anderlecht un lieu ici à Anderlecht pour acheminer un maximum de dons matériels des différentes organisations civiles, des sociétés et ASBL. Alors, aujourd'hui, on va mettre en place ce hub qui sera ouvert tous les jours de 10h à 19h. Une fois qu'on aura récolté une masse de dons, on va se diriger vers le ministère de la Défense pour voir comment est-ce que ces dons peuvent être acheminés par l'armée belge au Maroc. Alors, une inquiétude, mais surtout un élan de solidarité et un besoin de participer à cette plateforme de solidarité qui est énorme. Donc oui, de l'inquiétude, mais surtout le fait de pouvoir s'impliquer dans cet élan de solidarité. Ce peuple est extraordinaire. Ce peuple est extraordinaire. Et ce sont leurs frères, c'est nos frères. Et on bouge immédiatement. Voilà. C'est un grand élan de solidarité. Et c'est tout à fait normal. On n'est pas des animaux. On bouge. Ah, c'est le tremblement de terre, madame. C'est les gens, ils ont besoin. Et surtout, maintenant, on est à l'entrée de l'hiver, il fait froid dans les montagnes. Et j'ai pensé à, comme on a entendu dans les infos, comme quoi il y a un endroit ici pour déposer les couvertures, j'ai acheté celle-là et j'ai déposé. Pour moi, c'est tous les pays, c'est la même chose. Tout ce qui se passe, on a besoin d'aider tout le monde. Quoi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.